Salut tout le monde, alors nous voilà dans ma salle de bain pour un nouveau tuto. Et cette fois ce sera une introduction au roller setting. Donc le roller setting c'est une technique qui permet de lisser les cheveux sans chaleur, en tout cas sans pas lisser, sans chaleur directe quoi. Donc c'est vraiment plus sain que d'utiliser à chaque fois le fer à lisser pour se lisser les cheveux, ça sèche les cheveux, ça les casse. Et le roller setting c'est vraiment une façon plus saine de lisser ses cheveux. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il nous faudra aujourd'hui. Donc oui, j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de me laver les cheveux avec le shampoing de chez Karaker Hydrating and Detangling Shampoo. Voilà, et puis après ça, j'ai fait un soin hydratant, le Karaker Humecto. Voilà, c'est vraiment des très bons produits qui sentent bon et que j'apprécie. Donc, alors, maintenant que j'ai fini de me laver les cheveux, voilà, on va passer au démêlage. Donc toujours, les soins sans rinçage, le leave-in conditionneur de chez Karaker aussi. Donc, un petit peu. J'en ai mis derrière. Ok. Voilà. On frotte bien. Et on applique sur toute la chevelure. On masse bien. Et puis aussi mon sérum de chez Giovanni, toujours pour bien démêler les cheveux mouillés. Et surtout, ça apportera une brillance après pour les cheveux lisses. On a toujours une toute petite quantité, parce que c'est des silicones encore une fois. Donc là aussi, on répartit dans toute la chevelure. Ok, maintenant c'est parti pour le démêlage. Peigne bien. Ok, donc j'ai oublié de dire une chose importante, le roller setting c'est une technique de lissage sans chaleur directe, mais il faudra faire une mise en pli avant avec des bigoudis. Donc c'est des bigoudis tout simples, hein, n'importe lesquels feront l'affaire, et on va les placer en fait sur la tête comme ça et sur les côtés. Ensuite, une fois que tous les bigoudis seront en place, on va les faire sécher au sèche-cheveux, ou si vous avez un casque chauffant c'est encore mieux parce que c'est plus pratique plutôt que de rester comme ça avec le sèche-cheveux pendant une demi-heure. Mais au début, je le faisais avec le sèche-cheveux et ça allait très bien. Et après, quand les rouleaux seront secs, on défait tout, on peigne et on fera un wrap. Donc le wrap, c'est la technique pour garder les cheveux lisses en fait. On peigne les cheveux tout autour comme ça, tout autour de la tête et on les plaque. Et là, on repassera encore sous le sèche-cheveux pendant 10 minutes à peu près. Et après, on aura des cheveux tout lisses. Sans faire lisser. Et l'avantage vraiment du roller setting, c'est que les cheveux restent vraiment. Moi j'ai l'impression qu'ils sont plus hydratés en fait au fil des jours, parce qu'après mettre lisser les cheveux, faire lisser, c'est bien le premier jour, le deuxième jour, mais après c'est tout sec à chaque fois, donc il faut se mettre toujours plein de crème et on voit vraiment que les cheveux se détériorent au fur et à mesure, alors qu'avec le roller setting, les cheveux restent vraiment hydratés parce qu'on n'aura pas mis de chaleur puissante qui enlèvera l'hydratation des cheveux, et en plus il y avait vraiment plus de mouvement, alors qu'avec le fer à lisser, les cheveux c'est raide comme des baguettes quoi. Et moi c'est vraiment une chose que j'aime pas. Voilà, donc pour faire le roller setting, donc comme je dis, on a besoin de bigoudis. J'en ai de différentes tailles et différentes couleurs. Comme j'en ai pas assez, je vais utiliser un petit modèle comme ça, un diamètre plus petit. Et ensuite, le diamètre plus gros, plus large. On a besoin d'un peigne fin. On a besoin de petites barres comme ça pour tenir les bigoudis sur les cheveux. Et puis, des pinces pour tenir les cheveux sur les côtés.
Voilà.